Bonjour à toutes et à tous. Nous prenons l'antenne un peu tardivement pour des raisons techniques. C'est pour ça que je serai très bref. Je voulais, au nom du Club des cardiologues du sport, vous souhaiter la bienvenue pour ce congrès Cœur et Sport Live exceptionnel. Exceptionnel puisque c'est la première fois que le Club des cardiologues du sport organise un congrès digital et on espère que ça sera la dernière et que l'année prochaine, nous pourrons continuer nos congrès habituels. Nous avons proposé, nous vous proposons un programme d'actualité avec des sessions courtes, des topos courts basés sur les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie à partir de cas cliniques. Nous aurons cet après-midi des tables rondes aussi d'actualité. Je voulais tout d'abord vous remercier tous d'être présents aujourd'hui, ce 18 juin. Un moment important pour nous. Vous êtes pas moins de 400 inscrits à ce congrès digital. Merci de votre présence nombreuse. Je voulais remercier aussi tous les orateurs, tous les modérateurs pour leur disponibilité. Il a fallu que nous organisions ce congrès rapidement après l'annulation du congrès de Marseille qui était prévu normalement aujourd'hui. Je voulais bien sûr remercier tous nos partenaires, les plus fidèles, les nouveaux qui nous ont rejoints cette année, sans qui, vous le savez, nous ne pourrions pas organiser tous ces événements. Je voulais aussi remercier, au nom du Club des cardiologues du sport, François Carré et Frédéric Schnell pour le travail, l'investissement pour la préparation de Rennes que nous avons annulé l'année dernière. Mais bon, on sait très bien, et nous l'espérons, nous les retrouverons l'année prochaine. Je voulais remercier aussi Gérard Lagrange et Pierre-Laurent Massour qui avaient préparé le congrès de Marseille qui a été annulé. Et de toute façon, on sait très bien, ils auront un an de plus puisque nous les retrouverons donc en 2023. Voilà, donc j'espère que vous pourrez passer un bon congrès. Un petit coucou à nos amis béarnais qui nous ont envoyé un message de soutien hier. C'est sûr, cette année, nous ne pourrons pas nous enlacer, danser, chanter comme on l'a fait à Pau il y a maintenant 2 ans, mais je pense que nous pourrons retrouver cette marque de fabrique qui est le Congrès Cœur et Sport l'année prochaine à Rennes. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon congrès, en espérant que vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions et que nous pourrons très prochainement nous retrouver, comme d'habitude, sur nos congrès Cœur et Sport en présentiel. Merci à vous et bonne journée. Bonjour à tous. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité, dans le cadre de la session 1 maladie coronaire et sport, à vous parler du risque à faire de l'activité physique chez le coronarien stabilisé. Pour cette présentation, je n'ai pas de conflit particulier ni d'intérêt déclaré. Vous connaissez tous les bénéfices non exhaustifs de la pratique physique sportive chez le coronarien dans le cadre de la prévention secondaire. Personne ne remettra en question ces bénéfices pléiotropes sur le plan cardiologique. Vous connaissez également les effets pléiotropes de la pratique physique sportive régulière, sur lesquels je ne m'étendrai pas dans le cadre du topo de ce jour. Fort de ces éléments, la Société européenne de cardiologie, lors des dernières recommandations de 2020, a mis en exergue l'intérêt indéniable d'une pratique physique sportive régulière dans le cadre de la prévention secondaire, et ceci dans tous les domaines de la cardiologie. Concernant la maladie coronarienne, évidemment, au-delà de l'aspect diagnostic initial et de la thérapeutique la plus adaptée possible, il conviendra ensuite de stratifier le profil de risque du patient, son niveau de risque, de définir avec lui, dans le cadre de la pratique physique, le cadre de bonne pratique et d'assurer également, dans le cadre de cette pratique, un contrôle cardiologique régulier. Évidemment, cette pratique sportive va devoir être encadrée puisque, alors qu'une faible activité physique ou une absence d'activité physique, évidemment, a un impact défavorable sur le pronostic cardiovasculaire de nos patients coronariens, pour certains d'entre eux qui auraient des velléités à pratiquer une activité sportive plus soutenue en volume et en intensité, il semblerait que certains travaux confirment qu'il existe une surexposition au risque de survenue d'accidents cardiovasculaires lors de la pratique sportive soutenue. Ceci a été confirmé par les travaux de Wanatabi en 2000 et plus récemment encore par les travaux de Mons en 2014.
Alors, finalement, la question, c'est de savoir quelle est la bonne posologie à prescrire pour nos patients sportifs, hein, notamment quand certains veulent passer du loisir au loisir intense, ou pour certains vouloir absolument reprendre après un accident coronarien une pratique de compétition. On a tous en tête le risque de voir survenir lors d'une activité sportive intense un événement coronarien aigu, notamment sur le plan anatomopathologique au niveau des plaques coronaires, hein, peuvent survenir lors d'efforts intenses des mécanismes de rupture de plaques avec thrombose surajoutée, des mécanismes d'érosion de plaques avec également des mécanismes de thrombose surajoutée, des mécanismes lors d'efforts intenses avec une contrainte pariétale excessive, de d'hématome disséquant avec obstruction brutale de la lumière artérielle coronaire, plus ou moins surajoutée à des phénomènes de spasme coronaire. Si résumé globalement, les processus qui peuvent survenir en cascade et qui peuvent aggraver la situation clinique de manière brutale chez un patient coronarien lors d'une pratique sportive inadaptée ou intensive. Alors, dans le cadre de STOPO, on parle du coronarien, donc du patient qui, a priori, a déjà une maladie coronarienne avérée. Donc, qui dit maladie coronarienne avérée, dit patient dans le cadre de la prévention secondaire. Et donc, a fortiori, ce sont des patients que l'on doit considérer comme à très haut risque cardiovasculaire. Pour déterminer les niveaux de pratique de nos patients coronariens dans le cadre de la prévention secondaire, on va s'aider évidemment des algorithmes décisionnels qui ont été mis à jour et définis dans les dernières recommandations de l'European Society of Cardiology, afin de guider au mieux notre prescription en fonction de divers éléments, de l'interrogatoire, de la biologie, des examens complémentaires, des tests ischémiques non-invasifs, des données échographiques, des données d'IRM, de Holter, en tout cas de tous les éléments à notre disposition aujourd'hui pour stratifier au mieux le profil de risque et le pronostic de nos patients. On s'aidera de facteurs qui permettent de déterminer le risque d'effets indésirables lors d'une pratique sportive intensive ou de compétition chez le coronarien asymptomatique de longue date. On définira notamment précisément avec lui le type et le niveau de pratique sportive de compétition, le niveau de pratique individuelle, son profil de risque cardiovasculaire avec la nécessité de bien maîtriser ses facteurs de risque en prévention secondaire, notamment sur la maîtrise du bilan lipidique, sur le contrôle des chiffres tensionnels en cas de diabète, sur l'amélioration de l'hémoglobine glyquée, sur l'arrêt du tabagisme évidemment, sur lequel il faut lourdement insister. Concernant les tests ischémiques non invasifs, on veillera à ce qu'ils n'existent pas lors d'un effort maximal d'ischémie induite à l'effort. On vérifierait qu'il n'y a pas d'arythmie ventriculaire, notamment survenant au pic de l'effort et également en récupération. Et puis, on veillera également à l'absence de dysfonction ventriculaire gauche à l'exercice. Ces éléments-là nous permettront de définir un risque de pratique sportive, de stratifier le risque d'événements coronariens ou cardiovasculaires potentiels chez nos coronariens qui sont amenés à faire des activités intenses. Donc, on pourra dire qu'ils sont potentiellement à faible probabilité si on a tous les éléments réunis dans le cadre en vert, à savoir une revascularisation complète ou quasi complète, l'absence de lésions critiques résiduelles, une fraction d'éjection ventriculaire gauche au repos conservé, des capacités fonctionnelles normales chez un patient évidemment asymptomatique, pour lequel on n'a pas mis en évidence d'ischémie sur des tests ischémiques non invasifs de niveau maximal. Donc on vérifiera qu'il n'y a pas d'anomalie rythmique lors d'une épreuve d'effort maximale, que le patient, comme nous l'avions dit précédemment, maîtrise bien ses facteurs de risque et qu'il est évidemment pratiquant sous couvert d'un traitement médical optimal. Par contre, on pourra dire que notre patient coronarien qui souhaiterait faire de l'activité sportive va devoir être restreint dans ses velléités s'il existe une forte probabilité d'événement cardiovasculaire à l'effort intense, s'il présente une revascularisation incomplète, des lésions critiques de plus de 50% sur le tronc commun ou plus de 70% sur les artères coronaires principales,
On sera vigilant sur une dysfonction ventriculaire gauche débutante, sur une ischémie myocardique à l'effort résiduel ou l'apparition d'un bloc gauche résiduel, bloc gauche pardon, à l'effort, sur l'apparition de symptômes précoces à faible niveau d'exercice, sur l'existence de l'hypotémie ou de syncope à l'effort, la présence d'arythmie à l'exercice, la présence d'une séquelle d'infarctus étendue sur l'IRM myocardique. Et puis, on serait également très vigilant sur des velléités de reprise un peu trop précoces chez les patients qui ont présenté un syndrome coronarien depuis moins d'un an ou chez les coronariens qui ont été revascularisés ou par voie endovasculaire ou par voie chirurgicale dans les 3 à 6 mois précédents. On ciblera également notre prescription en émettant des éléments précis sur la fréquence de la pratique, sur l'intensité de celle-ci, sur la durée des séances, sur le type de séance, et également sur les modalités de l'entraînement. On s'aidera également de ce tableau non exhaustif pour déterminer avec le patient la meilleure activité sportive adaptée à sa situation clinique, hein, en fonction du caractère nécessitant de l'adresse pour la pratique, sur le niveau de puissance demandé ou sur le niveau d'endurance, sur le caractère parfois mixte de ces sollicitations. Et puis, on définira également en fonction du type de sport, s'il représente une forte sollicitation pour le système cardiovasculaire ou une sollicitation moindre ou une faible sollicitation. On pourrait également s'aider dans la prescription de l'activité physique d'échelle d'intensité telle que l'échelle de Borg qui permet en fonction du ressenti respiratoire à l'exercice de déterminer des seuils de pratique. On pourra céder des paramètres exhaustifs d'une épreuve d'effort cardiologique maximale ou au mieux d'une épreuve d'effort cardio-respiratoire qui permettra de déterminer des seuils fréquentiels, des fréquences maximales à VO2 max et ainsi d'optimiser, de faire du sur-mesure, hein, de la haute couture dans le cadre de la prescription de notre pratique sportive. On s'appuiera également sur les recommandations concernant le coronarien stable qui ont été mises à jour sur les dernières recommandations de l'ESC 2020. Finalement, quand on regarde un petit peu l'ensemble des recommandations depuis 2005, on passe de plus en plus à des recommandations très restrictives, à finalement des recommandations de plus en plus permissives. Je pense que cela découle de l'expérience que l'on tire de nos prescriptions au quotidien, du retour qu'on a des patients quand ils font de l'activité physique. Et effectivement, nos patients coronariens, parfois, ne suivent pas nos recommandations, nous mentent un petit peu en termes de, sur leur niveau de pratique, en termes de volume et d'intensité. Et finalement, on s'aperçoit qu'au final, quand ils se surveillent bien, quand ils se connaissent bien, quand ils ont une bonne connaissance de leur dossier, une bonne maîtrise de leurs facteurs de risque, finalement, il y a très, très peu d'accidents cardiaques lors de leur pratique. Donc, en conclusion, il ne faut pas oublier que l'activité physique reste une ligne indissociable de l'ordonnance du coronarien stable, que il y a moins de risques chez le coronarien à pratiquer une activité sportive adaptée une fois qu'il est bien stabilisé, traité et éduqué en prévention secondaire qu'une pratique sportive chez un sujet à haut risque cardiovasculaire en prévention primaire. Donc, il faut prescrire l'activité physique chez le coronarien, c'est indéniable. Évidemment, c'est un travail d'équipe. Il ne faudra pas simplement se contenter à la fin de l'hospitalisation ou de la consultation du repatient « Faites du sport, maigrissez, merci, au revoir, monsieur ». Il faudra bien définir avec lui, dans le cadre d'une consultation chronophage, les objectifs et le cadre de la bonne pratique, bien refaire le point sur l'ensemble de son dossier en vérifiant bien la maîtrise irréprochable et optimale de ses facteurs de risque, avec vérification de doses maximales possibles de statine. Assurer avec le patient un suivi régulier de ses données fonctionnelles, de sa clinique, de la biologie et bien colliger les éléments des tests ischémiques non-invasifs complémentaires prescrits dans le cadre du suivi. Les recommandations récentes deviennent, comme on l'a vu, de plus en plus permissives. La compétition peut être de plus en plus envisagée au cas par cas selon le tableau clinique, le profil de risque du patient, son passé sportif et ses ambitions futures.
Il faudra toujours assurer une relation étroite entre le patient et le médecin prescripteur pour déterminer la bonne posologie d'activité. On assurera évidemment un suivi cardiovasculaire régulier avec une réévaluation annuelle des performances. On mettra quand même un petit bémol chez les patients de plus de 65 ans qui ont toujours des velléités de performance ou d'activité intense. Et on recommandera d'éviter les activités à risque de chute ou de traumatisme direct chez les patients, notamment sous anticoagulants plaquettaires ou sous anticoagulants oraux. Voilà, merci de votre attention et bonne poursuite de congrès. Au revoir. Chers collègues, bonjour. Je m'appelle Fabrice Ivanès, je suis cardiologue du sport et cardiologue interventionnel au CHU de Tours. Je suis également maître de conférence en physiologie et je remercie les organisateurs du congrès Cœur et Sport de m'avoir confié cette présentation. Je vais donc vous parler du type de sport que l'on peut pratiquer après une angioplastie. Je parle bien sûr de sport de compétition. Dans le cadre de cette présentation, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je vous propose de commencer par un cas clinique de patient que je suis à l'heure actuelle. Il s'agit d'un monsieur M, 44 ans, qui n'a aucun antécédent personnel ni familial d'ordre cardiovasculaire. Il a comme facteur de risque un tabagisme sevré de longue date et une obésité avec un indice de masse corporelle à 35,8 kg par mètre carré. Il s'agit d'un patient qui travaille dans le bâtiment et qui a une activité sportive régulière à type de karaté. Il est en effet ceinture noire, deuxième dame de karaté et participe régulièrement à des compétitions. Il est admis pour infarctus du myocarde inférieur évolutif en dehors d'un contexte d'activité sportive. Je suis le cardiologue interventionnel de la strate. Je le ressens en salle de coronarographie à H3 du début de sa douleur. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, il a un réseau gauche qui est athéromateux, mais sans sténose significative. Il a par contre une occlusion de la coronaire droite au niveau de son segment 3. Occlusion qui est d'ordre particulièrement thrombotique, puisque vous voyez au passage du guide l'image de ce thrombus que nous avons pu thromboaspirer et qui a été récupéré dans ce petit ami. Le patient évolue bien heureusement très bien, il n'a aucune complication mécanique, il fait sa réadaptation et au décours de sa réadaptation, a une échographie cardiaque qui vous permet d'apprécier sa fonction ventriculaire gauche. Elle est en effet excellente, avec une hypokinésie, voire une akinésie inféro-septo-basale, une akinésie inféro-basale et pas de trouble de cinétique significatif sur la vue apicale 3 cavités. Il a donc bien récupéré. Je le vois en consultation à 6 mois et il me demande si j'autorise à reprendre le karaté en compétition. Je suis sûr que vous avez tous un avis parfois très tranché sur la question. Je vous propose d'avancer plus loin dans ce diaporama. Donc, quel est le risque de faire du sport en compétition après une angioplastie? C'est la présentation que vous venez d'avoir avec le docteur Passard qui a dû vous introduire à la fois les risques induits par la maladie coronaire. Et il s'agit en l'occurrence d'événements cardiovasculaires de type SCA, trouble du rythme, AVC ou mort subite, et les risques induits par le traitement, à la fois le risque thrombotique avec la thrombose de stent, le risque hémorragique avec notamment augmenté par les anticoagulants plaquettaires en cas de traumatisme, et dans certains cas même la rhabdomyolyse sous statine. Plusieurs étapes avant de pouvoir autoriser ou au contraire interdire le sport en compétition chez votre patient. La première étape, c'est de définir son niveau de risque. Est-ce que votre patient est à faible risque d'événement ou est-ce qu'il est à haut risque d'événement? Les patients sont considérés à faible risque d'événement s'ils n'ont aucun des éléments qui sont listés ici, c'est-à-dire pas de sténose coronaire significative ou en tout cas pas de rétrécissement de plus de 70% sur une branche coronaire majeure, c'est-à-dire l'IVA, la circonflexe ou la coronaire droite, ou plus de 50% sur le tronc commun. Et bien sûr, pas de signe d'ischémie mesuré en FFR. Il faut qu'il ait une bonne fonction ventriculaire gauche, pas d'ischémie induite lors d'un test d'effort maximal, pas d'hyperexcitabilité ventriculaire, qu'il s'agisse de TVNS, de SV très fréquente ou polymorphe, et il faut qu'il soit à distance d'un syndrome coronarien aigu. À distance, on retient plus de 12 mois. S'il a un seul de ces critères, il est donc considéré à haut risque. Quel type de sport de compétition? Vous vous souvenez de ce tableau de la classification de Mitchell qui nous permettait de bien visualiser ce qui était autorisé ou interdit de par les recommandations OSC de 2005 et les recommandations de l'AHA de 2015. Ces recommandations ont donc été revues en 2020 par l'OSC et le tableau de la classification de Mitchell a disparu pour faire place à un nouveau tableau
avec une classification des sports que j'ai remodifiée ici en fonction des sports, pour les sports de compétition, en sport d'adresse, sport de force, sport mixte, qui fait appel à la fois à la force et à l'endurance, et sport d'endurance. Et pour chaque type de sport, vous avez des sports à faible intensité, à intensité modérée ou à intensité élevée. Pour les patients qui ont un syndrome coronarien chronique, c'est-à-dire qui sont en situation d'endort stable ou qui ont fait un syndrome coronarien aigu mais qui sont à plus de 12 mois d'un syndrome coronarien aigu, s'ils remplissent tous les autres critères de faible risque, ils peuvent participer à tout type de sport en compétition, ce qui rejoint globalement les recommandations américaines, avec un bémol, c'est le patient de plus de 60 ans qui veut pratiquer un sport à forte intensité. Et par forte intensité, vous avez ici ce que représente la forte intensité en termes de VO2 max, en termes de pourcentage de la fréquence maximale théorique et en termes de situation sur l'échelle de Bohr. Chez ces patients-là, attention au sport à intensité la plus élevée parce qu'ils sont à risque plus élevé d'événements cardiovasculaires. C'est ce qui avait été montré notamment avec ce travail qui avait été publié dans les Annales of Internal Medicine en 2017 par Harris et collègues sur 135 morts subites documentées dans le cadre de la pratique compétitive du triathlon. Vous voyez ici que ce travail concernait plus d'un million de patients et que la catégorie dans laquelle il y avait le plus d'événements de type mort subite, représentés en mort subite pour 100 000 participants, c'était les patients de plus de 60 ans, avec quasiment 13 cas de mort subite pour 100 000 habitants, et pour 100 000 participants, pardon, et en particulier chez les hommes, 18 cas pour 100 000 participants, alors que vous voyez, chez les femmes, même s'il y a eu près de 20 000 participants, il n'y a eu aucun cas de mort subite dans cette population. Remarquez d'ailleurs que les femmes sont globalement à plus faible risque que les hommes, ce qui correspond à des choses que l'on savait déjà. Et quand on regarde sur ces patients qui ont fait des morts subites, ceux qui ont pu avoir une autopsie, on a un tiers de patients qui ont une mort subite en lien direct avec une maladie coronaire athérosclérotique. Donc, le patient à faible risque peut globalement tout faire, sauf les sports à forte intensité, et en particulier s'il a plus de 60 ans. Dans tous les cas, il devrait être à plus de 3 mois de son angioplastie. Si le patient est à haut risque, et en particulier si on est en post-syndrome coronarien aigu, il va pouvoir pratiquer les sports d'adresse, plutôt à faible intensité, et sans limite d'âge cette fois. L'étape 3, c'est tout ce qui n'est pas dit dans les recommandations, en tout cas au moins les recommandations européennes, mais dont il faut tenir compte. Ce sont les objectifs du patient et son profil psychologique. Est-ce que c'est un patient qui fait du sport pour la performance? Est-ce qu'il va être capable de suivre vos recommandations, de s'arrêter en cas de symptômes? Ce sont les choses que vous allez devoir évaluer. Quel est son niveau de maîtrise du sport? Est-ce que c'est un pratiquant de longue date? Est-ce que c'est un débutant? Ce sont des choses qui vont avoir un impact sur les sollicitations dans le cadre de son activité sportive. Le poste occupé pour les sports collectifs, c'est un autre élément important. Et enfin, bien sûr, tout ce qui est lié à son traitement et à l'adhérence au traitement, en particulier les bêta-bloquants. Donc, vous savez probablement que les bêta-bloquants sont de plus en plus remis en cause en post-infarctus. Et notamment, il y a une étude menée par la PHP qui s'appelle l'étude ABIS, qui vise à démontrer que chez les patients qui ont fait un infarctus et qui ont récupéré une fonction ventriculaire gauche satisfaisante, ces traitements ne sont plus utiles. Quid, par contre, dans le cadre de l'activité sportive, on ne sait pas. Les antithrombotiques sont un élément important à prendre en compte, notamment pour tous les sports avec risque de traumatisme. Et les statines, si elles sont quasiment absentes des recommandations européennes de 2020, sont bien présentes dans les recommandations américaines. Et les Américains précisent bien qu'il faut que le patient soit sous traitement statine à forte dose pour espérer une bonne stabilisation de la plaque d'athérome. L'étape 4, c'est la réévaluation régulière. Le patient doit être suivi au minimum de façon annuelle avec une réévaluation des symptômes, un électrocardiogramme de repos bien sûr, mais également une échographie cardiaque et un test d'ischémie, si possible couplé à l'imagerie test d'effort. En conclusion, si vous avez un patient qui est à faible risque d'événement,
et par faible risque d'événement, on entend bien sûr un patient asymptomatique avec une revascularisation optimale des troncs coronaires majeurs, une fonction ventriculaire gauche supérieure à 50%, pas d'ischémie induite lors de test d'effort maximal et pas d'arythmie ventriculaire. Ce patient, sous réserve d'un suivi régulier, et si on est à plus de 3 mois après l'angioplastie dans le cadre de syndrome coronarien chronique, pourra pratiquer tout type de sport, avec un bémol s'il a plus de 60 ans pour les sports à forte intensité et s'il ne remplit pas les critères de faible risque, il devra se limiter en compétition aux sports d'adresse à faible sollicitation cardiovasculaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous mets ici les liens vers les principales recommandations qui m'ont permis de préparer cette présentation. Chers collègues, chers amis, encore merci d'être aussi nombreux inscrits à ce congrès Cœur et Sport Live. Et pour avancer dans cette session maladie coronaire et sport, je vais, à partir de 2 cas cliniques, vous parler des activités physiques et sportives dans la maladie coronaire non athérosclérotique. Le premier cas clinique est celui d'un homme de 51 ans, un ancien triathlète qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, qui est asymptomatique et qui, après 3 ans d'interruption, veut reprendre la course à pied. Et c'est dans ce contexte qu'il réalise une épreuve d'effort systématique. Il n'a pas de symptômes particuliers. L'épreuve d'effort est réalisée sur ergocycle, permet une charge de 270 watts pour 169 battements par minute. Elle est interrompue par épuisement, avec un VO2 max à 45 ml par kilo par minute. Et comme vous pouvez le voir, il existe au maximum de l'effort un sous-décalage du segment ST qui atteint 2,15 mm sur 2 dérivations contiguës. À partir de ce moment-là, on peut se dire c'est probablement un faux positif de l'épreuve d'effort, il a toujours fait du sport, il est asymptomatique, il n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, et dans ces cas, il peut continuer ses activités physiques et sportives, ou bien lui proposer une échographie de stress ou une scintigraphie myocardique, ou alors une coronarographie d'emblée, ou éventuellement lui faire un scanner coronaire. Alors en temps normal, on aurait éventuellement pu voter, mais dans ces conditions de congrès digital, je vous propose de lui proposer un scanner coronaire, c'est ce que nous avons fait, et nous avons la surprise de découvrir un pont myocardique de l'IVA, que l'on voit bien ici, donc sur 3 cm avec 2,8 mm de profondeur. Donc, qu'en est-il de l'activité physique et sportive devant ce pont myocardique chez un sujet sans facteur de risque et cardiovasculaire asymptomatique? On peut soit l'autoriser à faire du sport, soit faut-il aller plus loin dans les examens? Et là aussi, nous avons fait réaliser une scintigraphie myocardique qui a permis la même charge que celle réalisée sur l'ergocycle et qui ne met en évidence aucune anomalie en scintigraphie, donc aucun argument pour une ischémie d'effort, en tout cas dans le territoire de l'interventriculaire antérieur. Alors qu'en est-il du pont myocardique? C'est quand même une pathologie ou une anomalie ou une particularité coronaire qui est très variable, la prévalence est très variable, allant de 0,5 à 12% et parfois même, selon les séries angiographiques ou tomodensitométriques, jusqu'à 75% des examens. Alors, l'élément le plus important, c'est effectivement l'existence ou non d'une ischémie induite à l'effort. C'est la plupart du temps une affection de très bon pronostic, dans la mesure où il n'y a pas d'ischémie induite et dans la mesure où ce pont n'est pas associé à une cardiomyopathie hypertrophique. Et quand on regarde les recommandations sur le sport de compétition, les athlètes qui présentent un pont myocardique peuvent faire toutes les activités physiques et sportives de loisirs, mais aussi en compétition, dès lors qu'en présence d'un pont myocardique, il n'existe pas d'ischémie induite et qu'il n'existe pas de troubles du rythme ventriculaire durant l'exercice, en particulier au pic de l'effort. Pour les sportifs qui présentent soit une ischémie induite, soit des troubles du rythme à l'effort, bien entendu, la compétition n'est pas recommandée. Alors, le deuxième cas clinique est celui
d'un chasseur alpin de 28 ans qui est lui aussi asymptomatique, il est très performant et dans le cadre de son réengagement, il bénéficie d'un électrocardiogramme systématique. Ce dernier met en évidence des ondes T négatives en V3, V4 et en D3. L'échocardiographie ne montre pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. Le tronc coronaire, le tronc commun gauche est bien vu. La naissance de la droite est moins bien vue. Alors, il réalise, devant ces anomalies de la repolarisation, une épreuve d'effort qui permet une charge de 262 watts pour 173 battements par minute. L'épreuve d'effort est interrompue par épuisement. Il est totalement asymptomatique. Il n'y a aucune manifestation clinique à l'effort. Et là encore, chez ce sujet asymptomatique, sans facteur de risque cardiovasculaire, il existe un sous-décalage du segment ST qui atteint 3 mm dans deux dérivations. La question que je vous pose est toujours la même. Il a 28 ans, il n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, il est performant, asymptomatique. Là aussi, on considère que c'est, entre guillemets, un faux positif de l'épreuve d'effort et il peut continuer ses activités physiques et sportives et surtout professionnelles. Ou bien il faut lui proposer une échographie de stress ou une scintigraphie myocardique, un scanner coronaire ou une coronarographie d'emblée. Et bien entendu, nous avons réalisé également pour ce jeune homme de 28 ans un scanner coronaire. Et comme vous pouvez le voir sur son scanner, il existe effectivement une anomalie de naissance de la coronaire droite qui naît du sinus antéro-gauche et que l'on voit ici. Et que l'on revoit sur les diapositives de droite, donc avec cette naissance de la coronaire droite qui naît du sinus antéro-gauche. Alors, sur le plan anatomopathologique, et pour résumer, pour faire simple, il existe deux types d'anomalies, celles qui sont très fréquemment associées à des risques de mort subite. Ce sont les deux malformations ou les deux anomalies dont celle qui provient de la naissance anormale d'un tronc commun et qui va traverser le septum interventriculaire, donc avec un trajet intraseptal, donc une forme à risque de mort subite. Et la deuxième, c'est celle où l'on a un trajet de la coronaire qui passe entre l'artère pulmonaire et l'aorte, avec ce trajet donc interaorto-pulmonaire qui peut être l'artère pouvant être comprimée et entraîner également ischémie, trouble du rythme, voire mort subite. Les deux autres formes, deux autres types, donc avec un trajet plutôt antérieur, donc rétro-pulmonaire, ou un trajet postérieur rétro-aortique, ces deux formes-là sont des formes dites bénignes, a priori n'entraînant pas de risque particulier à l'effort. Alors, l'anomalie de naissance des coronaires, c'est 0,44% de la population générale. Ils sont la plupart du temps asymptomatiques dans deux tiers des cas, mais il faut savoir qu'une douleur thoracique, une défort, une syncope défort, voire la mort subite, peuvent être la première manifestation clinique. Là aussi, l'essentiel, c'est l'induction d'une ischémie à l'effort qui résulte de la compression de l'artère dans son trajet anormal entre l'aorte et l'artère pulmonaire, ou en raison d'une naissance avec un angle étroit à la naissance de l'artère. Et enfin, la troisième option, c'est le trajet intraseptal anormal de l'artère qui, lors de la systole, va entraîner une contraction, une compression de l'artère et entraîner une ischémie. Alors, conformément aux recommandations de l'ESC de 2020, la présence d'une anomalie de naissance des coronaires doit faire rechercher des risques, des risques de troubles du rythme ou des risques de mort subite, et là aussi rechercher une ischémie ou des troubles du rythme induits à l'effort. Chez les patients qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas les deux formes, donc intraseptales ou interaortopulmonaires, qui sont les deux formes graves, en l'absence d'ischémie, si l'activité physique et sportive peut être autorisée, y compris en compétition. En cas de chirurgie, tous les sports peuvent être considérés, peuvent être revus après 3 mois de délai, si les sujets sont toujours bien entendu asymptomatiques, sans ischémie induite et sans trouble du rythme d'effort. Alors, pour conclure
Dans la maladie coronaire non athérosclérotique, il existe deux entités bien différentes. Le pont myocardique, qui est habituellement considéré comme bénin. L'importance, c'est de mettre en évidence ou pas une ischémie d'effort qui entraînera des restrictions vis-à-vis du sport, en particulier de compétition. Le traitement repose sinon sur les bêta-bloquants, la réparation chirurgicale et à l'heure actuelle, le stenting est plutôt à éviter. Concernant les anomalies de naissance des artères coronaires, l'important c'est de dépister les anomalies avec un risque élevé, celles dont il existe un trajet intraseptal ou un trajet intra-orthopulmonaire. Là aussi, il est important de dépister une ischémie à l'effort ou non, ou des troubles du rythme à l'effort. Et la plupart du temps, dans ces situations d'anomalie de naissance des coronaires à haut risque, la réparation chirurgicale sera nécessaire pour pouvoir autoriser par la suite la reprise du sport de compétition. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce e-congrès du Club des cardiologues du sport. On va parler de l'intérêt du score calcique chez le sportif. On va se baser sur le dossier de Monsieur P, qui a 52 ans, qui consulte en prévention primaire, court depuis une quinzaine d'années, participe à des marathons. Il est sevré de son tabagisme depuis 10 ans. Son père avait fait un infarctus à 55 ans. Son LDL cholestérol est mesuré à 1,6 g par litre. Son bilan de repos est parfaitement normal. D'ailleurs, il est asymptomatique. Son épreuve d'effort est également tout à fait normale dans le contexte. Son score est mesuré à 1%, ce qui fait un objectif théorique de LDL cholestérol à moins de 1 g. On a donc étayé son niveau de risque cardiovasculaire par la réalisation d'un score calcique, comme cela est désormais autorisé dans les dernières recommandations de l'ESC. Et ce score revient non nul puisqu'il est mesuré à 65. La question est donc, quelle est la conduite à tenir ? Alors, on sait que la réalisation d'un score calcique est associée à un intérêt pronostique tout à fait intéressant. On sait en général que plus le patient est porteur de facteurs de risque cardiovasculaire, plus ce score risque d'être élevé, et plus il va être élevé, moins bon sera son pronostic cardiovasculaire. On ne revient pas sur la théorie de la réalisation de ce score calcique. En revanche, d'un point de vue pratique, on sait que lorsque le score est supérieur à 100, eh bien, la morbimortalité cardiovasculaire à 10 ans est aux alentours de 10%. Alors, c'est d'autant plus important chez le sportif que eh bien, la pratique d'une activité régulière réduit de façon dose-dépendante l'incidence de l'infarctus du myocarde et donc la mortalité cardiovasculaire. Pour autant, le sportif n'est pas indemne de pathologie coronaire. D'ailleurs, la physiopathologie est relativement particulière, notamment dans le cadre de la rupture de plaque, par des phénomènes de stress mécanique, d'activation hémostatique, de modification hydroélectrolytique. Et donc, il est important d'étayer le niveau de risque de ces patients. Et le score calcique est intéressant puisqu'il permet une détection beaucoup plus précoce de la maladie coronaire, qui sera à ce moment-là asymptomatique. Ce d'autant plus que, en général, quand on s'intéresse à des sportifs dont les épreuves d'effort sont parfaitement normales, eh bien, il n'est pas rare de détecter des scores qui vont être non nuls. Et dans cette étude de Braber, c'est 16% de la population sportive qui a un score supérieur à 100. Et quand on réalise des coroscanners, c'est 19% des sportifs dont le score est supérieur à 100 et ou qui présentent une sténose coronaire supérieure à 50%, c'est-à-dire significative. C'est un petit peu la même chose dans cette étude de Dorès, où 27 des 105 sportifs étudiés présentaient des plaques à haut risque, c'est-à-dire sur le tronc, bien tritronculaire, ou bien une sténose supérieure à 50%, ou avec un score supérieur à 100. 6 de ces patients seulement avaient une épreuve d'effort qui avait été jugée comme étant pathologique. Donc, on voit bien qu'on passe à côté de patients coronariens avec la réalisation de nos test de détection de l'ischémie myocardique, ce n'est pas du tout une surprise. Et l'intérêt du score calcique, c'est vraiment de réaliser un dépistage de la maladie de paroi, de manière à étayer le pronostic de nos sportifs. Alors, une première alerte avait été donnée par Mollenkamp en 2008, qui s'était intéressé à des marathoniens de plus de 50 ans, qui avaient un niveau de risque cardiovasculaire inférieur par rapport à des sujets contrôle, et dont les scores calciques était supérieur à 100 chez 36% d'entre eux, et c'était identique dans la population contrôle. Et ce qui avait été observé, c'est que plus il y avait eu de marathons réalisés, plus ce score calcique était important. Et d'autre part, il avait été noté qu'il existait un rehaussement tardif chez 12% des sportifs, et ce d'autant plus que le score calcique était important. Donc, il y a eu dans le contexte, eh bien,
une crainte que le marathon puisse être un facteur de risque de développer une réelle coronaropathie, alors avec des hypothèses non claires de burst inflammatoire, d'augmentation du stress oxydant, des phénomènes de micro-embole au cours de l'exercice. De la même manière, Mergani, en 2017, avait observé que dans une population sportive, le score calcique était significativement supérieur par rapport à des patients en contrôle, même si il était nul chez 60% d'entre eux. Ce qui avait été intéressant, c'est qu'il y avait une étude des plaques qui avait été réalisée et que les sportifs présentaient des plaques essentiellement calcifiées et donc jugées comme étant beaucoup plus stables que dans la population des sédentaires où celles-ci étaient moins calcifiées et donc jugées comme étant beaucoup moins stables. Ce qui était intéressant également, comme dans l'étude de Mollenkamp, c'est qu'une certaine partie, certaine proportion des sportifs avaient du rehaussement tardif, 7 compatibles avec un infarctus du myocarde, dont 3 avec une sténose coronaire supérieure à 50% dans les territoires du rehaussement tardif. Donc on voit bien tout de même l'existence de cette coronaropathie asymptomatique du sportif. Certaines études se sont intéressées à la relation entre l'intensité de la pratique physique et le score calcique. Et là encore, ce qui est observé chez les sportifs qui pratiquent le plus d'activité physique, eh bien, c'est une incidence d'un score calcique non nul beaucoup plus important, mais là encore aussi avec des plaques beaucoup plus calcifiées et donc a priori jugées comme étant beaucoup plus stables. Dans cette étude de Jaffar de 2019, les auteurs s'étaient intéressés aux ultra-marathoniens en comparaison des marathoniens et en comparaison de sportifs non-marathoniens. Et quand on associe les groupes ultra-marathoniens et marathoniens versus le groupe des non-marathoniens, eh bien, il existe une différence très significative sur des scores calciques non nuls. Et ce qui était observé également, c'est que chez les patients les plus endurants, le score calcique supérieur à 100 va être présent dans 33% de cette population contre 11% chez les coureurs non-marathoniens. Ce qui était également un message fort dans cette étude, c'était d'observer qu'il n'y avait pas de différence significative entre les hommes et les femmes, mais surtout que les femmes avaient également une incidence de score calcique non nul tout à fait significative. Et ça, c'est important à garder à l'esprit, puisque dans la plupart des études, ce sont souvent des hommes qui sont étudiés. Et dans cette étude, on confirme bien que les femmes également, même si elles ne sont pas, même si elles ont plus de 50 ans, eh bien, présentent également une coronaropathie tout à fait significative avec une incidence plus importante chez les ultra-endurantes. Ce qui est important à noter également dans la littérature, c'est l'absence de relation entre le type d'activité sportive et le score calcique. Alors, si on revient à cette notion de charge d'activité sportive, eh bien, les choses ont été un petit peu modulées par d'autres papiers, notamment celui-ci, où eh bien, le score calcique n'était pas associé au nombre de marathons qui avaient été courus, mais plutôt à l'âge des sportifs, ce qui paraît évident, mais également aux facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tabagisme, même lorsque celui-ci avait été sevré, mais également un point essentiel dans la consultation et dans l'interrogatoire de la consultation, qui était l'âge de début de la pratique sportive. Lorsque l'âge était supérieur à 30 ans, le risque de score calcique non nul était plus important dans cette population, et également l'âge du premier marathon au-delà de 30 ans. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit nous faire moduler le niveau de risque de nos sportifs et bien l'intégrer dans l'interrogatoire. Alors, à la suite de ça, plusieurs études, et notamment celle-ci, se sont même demandé s'il n'était pas intéressant de mettre en place un traitement par aspirine en prévention chez nos sportifs dont le score était supérieur à 100. Bien sûr, pour l'instant, cela ne fait pas appel à des recommandations particulières. Pour autant, il y a des recommandations qui ont été proposées, notamment dans ce papier, qui est relativement récent, dans lequel, lorsque le score calcique est nul, eh bien, le patient est à faible risque cardiovasculaire. Bien sûr, on va traiter les facteurs de risque de façon classique. Entre 0 et 100, le niveau de risque devient plus important. Bien sûr, il faut réaliser un test ischémique, voire un coroscanner. Ne pas hésiter à utiliser les statines lorsque cela est recommandé, bien entendu. Et puis, réaliser une surveillance peut-être plus rapprochée. Au-delà de 100, le niveau de risque cardiovasculaire devient significatif. Il ne faut pas hésiter du tout à utiliser des statines à haute intensité et bien sûr à traquer et traiter les autres facteurs de risque.
Bien sûr, en réalisant un test à l'effort, voire un angioscanner. Au-delà de 400, on considère quasiment le patient en prévention secondaire, finalement, et on va le traiter avec des statines à forte dose, parfois même avec de l'aspirine, cela n'est pas encore totalement clair, et on va traquer l'ischémie myocardique. En conclusion, chez notre sportif, qui se situe donc sur un niveau de risque intermédiaire, on va d'une part le rassurer, en rappelant l'importance du maintien de l'activité sportive dans la prévention cardiovasculaire, réaliser un test ischémique qui sera être plus performant, voire discuter un coroscanner, et puis envisager sans urgence la mise en place d'un traitement par statine, après, à mon sens, une période d'intégration des informations et de modification des règles hygiéno-diététiques, sans se précipiter dans une prescription trop rapide, de manière à pouvoir favoriser l'adhérence thérapeutique. Quoi qu'il en soit, on va considérer une surveillance qui va être plus rapprochée, à la fois sur le plan biologique, mais également ergométrique. On va informer le sportif des symptômes suspects et bien sûr lui donner les 10 règles d'or du Club des cardiologues du sport. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Bonjour, si vous m'entendez ou pas. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc on en est au stade des questions. Alors j'ai deux questions pour François. Concernant le délai de la reprise du sport, y a-t-il une place pour une reprise avant 3 mois? Parce que c'est 3 à 6 mois après une angioplastie. C'est 1 an après une SCA, est-ce qu'il y aurait de la place avant 3 mois? Voilà la première question. Et puis, on a une question, une deuxième question sur la double anti-agrégation. Donc, est-ce que tu peux déjà répondre à la première? Ah oui, la deuxième question, qui est une question relativement simple, qui est classique cependant, qui est quand même très importante à mon avis. Qu'est-ce qu'on retient comme critère de maximalité pour une évaluation à l'effort avant le sport? Je pense que la réponse est très claire, mais bon, la question est posée. Voilà, bonjour à tous. Donc, pour la première, je pense qu'une reprise un peu trop précoce me paraît non dénuée de risque, surtout qu'on est souvent dans un contexte d'anti-agrégation plaquettaire qui est encore importante, surtout après stenting. Alors c'est clair que pour un syndrome coronarien aigu, on contre-indiquera la reprise d'éventuelle activité de compétition avant 1 an. Après, personnellement, je pense qu'il faut réfréner le sportif sur ses volontés de reprise trop précoce. On a tous vu des patients en soins intensifs, on les a dilatés 2-3 jours avant. La première question quand on rentre dans la chambre, c'est « Docteur, est-ce que je peux reprendre le sport la semaine prochaine ?» Moi, je pense que notre travail, c'est de bien expliquer les choses. Il faut un temps de réflexion, il faut un temps de discussion. Pour moi, personnellement, reprendre du sport intense ou de la compète dans les 3 mois qui suivent la prise en charge de la coronaropathie, ça me paraît déraisonnable. Je pense que ça venait sur la notion que tu as dit, on était de plus en plus permissif, mais je pense qu'il ne faut pas aller au-delà quand même, en 2-3 mois. Par contre, je pense que le côté permissif, ça me fait apporter une remarque, ça donne une grande importance au dépistage. Parce que d'après ce que tu as dit, en fait, une fois que les gens sont dépistés, qu'il y a le dialogue avec le cardiologue, ils sont plus au fait de leur maladie et je pense qu'ils seront plus raisonnables. Absolument. Donc, l'importance du dépistage. Donc ça, c'était une question. Après, ensuite, pour Fabrice, il y a une question, qu'en est-il du sport de compétition? Pour toi, il serait contre-indiqué absolument après 60 ans. Et moi, je rajoute une notion, qu'en est-il du sportif très entraîné qui a fait ça toute sa vie? Est-ce qu'il n'y a pas des différences entre le type de sportif après 60 ans? Bonjour à tous. C'est vrai que c'est un petit peu ce que je vous ai mis dans mon étape 3, c'est-à-dire qu'il y a les recommandations qui donnent un cadre général et qui, même si elles ne sont pas censées être opposables, je pense, pourraient le devenir dans certaines situations. Et puis, il y a ce qui n'est pas dit dans les recommandations sur la question du profil du patient. Est-ce que c'est un compétiteur dans l'âme? Est-ce qu'il veut s'inscrire à des compétitions pour le plaisir de terminer? C'est pas du tout la même chose, hein. Est-ce que le patient est capable de suivre les recommandations, de se restreindre par rapport à ce qu'on lui a expliqué, ou est-ce qu'une fois qu'il va être parti, il va y aller à fond? Ce sont des éléments importants à prendre en charge. Et puis il y a la question effectivement du niveau de pratique.
Vous savez bien que ce n'est pas la même chose d'être confirmé dans un sport et d'être débutant, notamment en termes de sollicitations cardiovasculaires. Ce sont des éléments à prendre en compte. Il n'y a pas de réponse toute faite. Les recommandations, elles disent que après 60 ans, si le sportif de compétition à haute intensité, il faut le déconseiller. Dans les recommandations, c'est écrit avec un mais, le mais anglais qui veut tout et rien dire, qui veut dire prudence. Mais je pense que c'est un élément à prendre en compte avec tous les autres éléments dont on vient de parler, le profil du patient, sa capacité à écouter les recommandations, son niveau de pratique qui va faire qu'il va pouvoir probablement mesurer mieux son effort. Ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Donc la réponse, c'est que sur le principe, il faut contre-indiquer les patients à plus de 60 ans sur les sports de compétition à forte intensité. Après, ça reste toujours une évaluation au cas par cas en fonction du patient. Alors, il y avait une question que j'avais oubliée pour François, qui est une question pratique. Qu'en est-il des statines et des sports de longue endurance, comme l'ultra-trail, sur le problème de tolérance des statines et de dosage, etc. Est-ce que tu as des choses à dire ? Effectivement, c'est la question bien connue de tous les sportifs coronariens à qui on leur demande de prendre de fortes doses de statines. Je crois qu'il y a des papiers qui ont montré récemment qu'il y avait un facteur qui était important dans le caractère d'intolérance des statines chez les sportifs, c'est le manque d'hydratation. Et force est de constater que très souvent, même chez les sportifs qui ont un long passé sportif, le problème de l'hydratation est un problème qui est souvent négligé. On s'aperçoit qu'il y a des tas de gens qui font 4 heures de vélo le dimanche en prenant 500 ml d'eau plate, connaissent à peine la notion des boissons diététiques de l'effort. Donc je pense que la tolérance des statines chez les sportifs, elle est quand même aussi fortement dépendante du niveau d'hydratation. Alors après, il y a effectivement des gens qui sont intolérants aux statines, ça c'est indéniable, mais je pense que c'est sur un ensemble de paramètres fonctionnels, biologiques et des données de bonne pratique qu'on arrive finalement à trouver et puis surtout l'atteinte des objectifs de prévention secondaire. Avec tous ces paramètres-là, on arrive souvent quand même à atteindre des objectifs raisonnables avec une bonne tolérance de traitement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de donner les plus grosses doses de statines possibles. Tout à fait, pour l'objectif. Pour l'objectif. Et donc, une question de Jérémy Josseau, très personnel, je pense, non. Je plaisante à Fabrice, je pense que la réponse est relativement claire. Qu'en est-il du karaté sous double anti-agrégation à 6 mois d'un SCA ? Alors, c'est vrai que c'est un exemple que j'ai pris volontairement. Donc là, à 6 mois du SCA, on dit de toute façon hors recommandation, hein, le karaté en compétition, c'est non. La question va pouvoir se poser une fois qu'on sera à plus d'un an et c'est l'élément important, que le patient ne sera plus sous double interagrégation. En pratique, pour ma part, pour ce patient, je l'ai autorisé à reprendre le karaté, bien sûr, à l'issue de la période de double interagrégation. Je l'ai autorisé également à reprendre la compétition, mais sous certaines conditions, parce que même sous aspirine seule, le karaté qui implique, comme vous le savez, des contacts parfois un peu appuyés en compétition, je ne considérais pas ça comme étant raisonnable dans le contexte. Je l'ai autorisé à reprendre la compétition, mais uniquement sous la forme de kata, ce qu'il a fait effectivement et ce qui se passe bien depuis maintenant plusieurs années. Donc attention effectivement à la double antiagrégation plaquettaire parce que je pense que sur les sports de contact ou les sports à risque de chute, ça peut créer des catastrophes quand même. Alors pour vous deux, une question perso, pour vous les deux avant de passer à Sylvain, la résistance aux antiagrégants à l'effort, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que ça a été décrit sur l'aspirine notamment. Est-ce qu'il y a des résistances ? Est-ce que vous en connaissez ? Quelle est votre expérience ? L'un et l'autre, là, Fabrice et François. Ben, concernant les tests de résistance, on sait que ça sert à rien. Bien, c'est pas très utile. Tout à fait, ouais. Après, je me rappelle qu'on avait fait un petit topo il y a quelques années à Nice, au CNCF, où on avait suggéré la possibilité d'un doublement du traitement anti-agrégant plaquettaire lors de la pratique sportive. Après, ça n'a pas de valeur scientifique prouvée. Oui, c'est sûr que l'exercice physique augmente les processus pro-inflammatoires, l'agrégabilité plaquettaire. En même temps, on sait qu'une activité sportive régulière augmente la fibrinolyse physiologique.
Donc je dirais que c'est une balance, effet favorable, effet iatrogène. Il faut trouver le bon dosage. Difficile de déterminer des généralités. Je pense qu'il faut rester au cas par cas. Alors, avec François, à ma connaissance, c'est un effet biologique qui a été décrit, effectivement, avec une résistance à l'aspirine dans le cadre de l'activité physique, avec des tests qui sont faits avant, après activité physique. En pratique clinique, est-ce que ça a une pertinence majeure? Je ne suis pas convaincu. Par le fait que, comme le dit François, dans le cadre de l'activité physique régulière, il y a des facteurs de contre-régulation qui se mettent en place et qui permettent justement de juguler cette hyper-agrégation plaquettaire à l'effort. Et donc, quid de la question du doublement d'une dose, ce n'est pas établi et je ne suis pas sûr qu'il faille le faire. OK. Donc, pour Sylvain, maintenant, on passe à la suivante. Quelles sont les recommandations après une dissection coronaire spontanée? Ce n'était pas forcément le sujet, mais c'est apparemment sur des coronaires qui étaient apparemment saines, ces dissections. Est-ce que tu as une idée, Sylvain, à nous donner là-dessus? Finalement, on va se retrouver si la dissection a été traitée et donc s'il y a une angioplastie avec un stent, on va se retrouver dans les mêmes conditions qu'une sténose dilatée. Voilà mon. Oui, je pense que c'est ça. Et en cas, alors, deuxième question, en cas d'anomalie de naissance des coronaires avec trajet à risque, patient asymptomatique, pas d'ischémie, pas de trouble du rythme, peut-on l'autoriser à la compétition? Alors, si on regarde les recommandations de l'ESC de l'année dernière, donc les sujets qui sont porteurs d'une anomalie de naissance de coronaires à risque, soit par l'angle, soit par leur trajet entre les gros vaisseaux, même s'il n'y a pas d'ischémie, la plupart des sports d'intensité, ce qui est dit, c'est intensité modérée à élevée, ne sont pas recommandés. Donc, il reste que l'activité de loisir, l'activité physique de loisir, ou la compétition sur les sports à très très faible risque. Mais on en revient toujours au même, c'est le billard, le curling. Donc, a priori, donc sur les recommandations, même si s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas d'ischémie, il n'y a pas de trouble du rythme, une anomalie de naissance à risque, les sports d'intensité modérée et intense sont contre-indiqués, ne sont pas recommandés. Alors, question pour Jérémy maintenant sur le score calcique. Est-ce qu'on peut l'utiliser chez le sportif de 60, 70 ans, notamment le vieux coronarien? C'est-à-dire, est-ce qu'on va être en difficulté pour une interprétation entre l'âge et la majoration du score calcique au marathon? J'avoue que je ne comprends pas trop la question. En fait, quid de l'interprétation du score calcique quand on sait qu'il y aura eu des facteurs favorisants, si tu veux. Je pense que c'est ça le sens de cette question. Je crois que c'était le vieux coureur et non pas le vieux coronarien. Le vieux coureur, oui, je crois que c'est ça. Oui, excuse-moi. Oui, exact. Ah ouais. Tu as raison. Bon. Non, vous m'entendez bien ou pas? Nous, on t'entend. Moi, je t'entends. Bon, oui. Parfait, très bien. Je crois qu'il faut voir le score calcique chez le sportif, non pas dans le sens le sport donne donne de la maladie coronaire. Je crois que c'est un petit peu comme la question de l'utilisation du score calcique chez les patients qui sont sous statine. On sait que c'est plutôt déconseillé puisque les statines, en stabilisant les plaques, ont tendance à favoriser les calcifications et donc à surestimer un petit peu les scores calciques. Il faut vraiment voir le score calcique chez les patients qui sont indemnes de prise de statine comme étant vraiment un marqueur du risque cardiovasculaire. Moi, c'est comme ça que je l'observe. Alors, effectivement, dans les recommandations, on l'utilise plutôt jusqu'à 65 ans. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Il faut pouvoir l'utiliser chez les sportifs qui vont être encore très endurants, éventuellement au-delà de 65 ans. Et en fait, il ne faut pas imaginer que le score va augmenter du fait de la pratique sportive. Le score, il augmente avec l'âge de façon naturelle, ça c'est clair. Mais aussi le sport en stabilisant les plaques probablement favorise cette calcification. En tout cas, c'est une des hypothèses qui doit être retenue. Et je crois que c'est ça qui est important. Avec le message que je n'ai peut-être pas souligné, c'est qu'il faut essayer de l'éviter, bien sûr, chez les coronariens qui sont déjà connus, puisque ça n'a pas d'intérêt, et aussi chez les patients qui sont sous statine, puisqu'on aura encore une fois une surestimation de ce score. Ça, c'est clair. Très bien, merci. Alors, une question, celui qui veut répondre. À quand la détection des plaques molles au coro-TDM? Qui se sent capable de répondre à cette question? Voilà. Peut-être Fabrice, là, qui est l'interventionnel de la session. Je pense que ça finira par arriver, mais qu'il faudra encore qu'on augmente la résolution spatiale du scanner.
qui n'est pas encore au niveau de la coronarographie. D'accord. OK. Bon, écoutez, j'ai plus de questions. Donc, on vous remercie tous les quatre. J'ai eu plusieurs messages comme quoi topo intéressant, très intéressant, bien fait. Donc vous êtes félicités tous les quatre et je pense que on va pouvoir passer à la session 2 après nos petites difficultés à démarrer ce congrès. Merci à toi, Jean-Christophe. Merci à tous. Allez, bonne journée, à plus. Bonne journée.